Vous désirez avoir une formation pratique et professionnelle. Vous êtes au bon endroit et au bon emplacement. Si vous regardez cette vidéo, je m'appelle Abdou Raouf. Je suis le promoteur de la chaîne YouTube Entrepreneur Réseau et Télécom, le responsable de la société Link Communication. Nous sommes au Togo, plus précisément dans la capitale, quartier Agouet-Lébassito. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer certains équipements que vous aurez à configurer, que vous aurez à toucher, à configurer vous-même pour la prochaine formation que nous avons lancée, qui va commencer le 1er au 31 mars. Cette formation est en présentiel, mais également aussi en ligne. Si vous désirez faire la formation, une bonne formation et de qualité en réseau et télécom, je vous invite vivement à prendre la formation. Tous les équipements que vous voyez ici, le prix de ces matériels dépasse légèrement ce que vous avez payé pour la formation. Voyez le prix de la formation. C'est une formation en fait. Je vous invite vivement à prendre la formation et vous ne serez pas déçus. Ici, vous aurez la possibilité de configurer vous-même, d'exercer le métier vous-même, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans le domaine du réseau informatique. Tous ces matériels vous sont mis à votre disposition et sont mis à votre disponibilité. Vous pouvez les configurer, revenir à tout moment, faire la configuration jusqu'à ce que vous deveniez pro dans le domaine. C'est pourquoi nous avons dénommé la formation pratique et professionnelle pour devenir technicien pro dans le domaine du réseau informatique et télécom. Je reprends encore, la formation est en présentiel et en ligne. Vous pouvez prendre la formation en présentiel. Vous pouvez prendre la formation en ligne également, si vous désirez prendre une formation de qualité et professionnelle en ligne, contactez-nous. Nous avons les numéros, les informations relatives de la formation en bas de la vidéo. Tout ce que vous désirez, contactez-nous, on va en parler et voir dans quelle mesure nous pouvons faire la formation. Pour ceux qui veulent prendre la formation en ligne, je reprends un peu la procédure en fait. Si vous voulez prendre la formation en ligne, écrivez-nous que vous voulez prendre la formation en ligne. On vous dit les conditions dans lesquelles vous allez prendre la formation. Et après, nous commençons la formation aux mêmes dates que la date prévue pour la présentielle. Et au niveau de la formation en ligne, nous avons organiser des vidéos, nous avons structuré des vidéos bien précises, tout ce qui concerne le domaine de la formation, les modules de la formation. Nous avons fait des vidéos déjà conçues pour vous. Ces vidéos seront mises à votre disposition. Vous allez suivre les vidéos et selon votre disponibilité, nous allons organiser aussi des conférences, des vidéoconférences pour pouvoir vous expliquer encore mieux ce que vous n'avez pas compris. Il y a la formation en vidéo que vous allez regarder, mais aussi des fichiers PDF que vous allez suivre aussi. Vous lisez le cours, vous regardez la vidéo et vous appliquez. Si vous avez eu des inquiétudes à certains endroits, contactez-nous pour des suites. On va essayer toujours de vous expliquer et vous accompagner toujours pour le choix et la réalisation de vos projets. Donc, la formation est possible aussi en ligne et ça commence à la même date, le 1er au 31 mars. Donc, je vous invite vivement à prendre la formation. Si vous êtes en ligne, vous êtes intéressé par le domaine, prenez la formation. Vous êtes au pays, vous êtes à Lomé, vous n'êtes pas disponible pour venir faire la formation en présentiel. Contactez-nous, dites-nous ce que vous voulez, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, ce qui est intéressant encore dans la formation est subdivisée en deux parties. Il y a cours du jour, puis au cours du soir. Si tu n'es pas disponible dans la journée, tu peux passer le choix. La journée, le cours commence à 8h30 et ça prend fin à midi. 8h30 à midi, puis vous vaquez à vos préoccupations. Le soir à 18h, ceux qui sont disponibles le soir, vous venez faire la formation à 18h30, on termine à 21h. Ainsi de suite. Le cours commence le lundi à vendredi, 5 jours dans la semaine, mais subdivisé en deux. Ceux qui sont disponibles la journée, vous passez le matin. Ceux qui sont disponibles le soir, vous passez le soir pour faire la formation. Tous ces matériels-là sont mis à votre disposition pour pouvoir vous outiller au domaine, pour pouvoir vous familiariser, pour que vous puissiez familiariser avec le domaine et l'exercer pleinement sans avoir de difficultés. Donc, je vous invite vivement à prendre la formation et vous ne serez pas déçus. Tout ça, là, c'est pour vous. Participez à la formation, partagez la vidéo, informez d'autres collègues, vos camarades, vos amis, même ceux qui sont des élèves. On a dit, surtout les étudiants qui sont là, actuellement, ils n'ont pas quelque chose en main et il faut aller d'abord au campus. Vous pouvez prendre la formation là et devenir autonome. Continuez vos études, mais profitez aussi de la formation parce qu'on a dit, la connaissance est la clé. Si tu as une connaissance pratique, tu ne vas jamais chômer, tu ne vas jamais regretter que tu as pris la formation. Moi,
Personnellement, je vais vous dire, c'est ça que je mange, c'est mon domaine, c'est tout ce que je sais faire. Donc, il faut que je le fasse bien pour que demain, vous puissiez aussi m'applaudir. Donc, c'est une opportunité en or que vous devez prendre pour pouvoir avancer et grandir aussi dans le domaine. Donc, moi, je vous le dis, je ne vais pas vous cacher quoi que ce soit. Il y a des milliers de personnes qui ont déjà fait la formation ici et ils sont là aujourd'hui, ils en réjouissent. Il y a d'autres, même vous regardez même sur la chaîne, vous allez voir que j'ai déjà fait des vidéos où certains ont témoigné du contenu de la formation, comment a été la formation. Donc, si toi aussi tu es intéressé, prends la formation, partage la vidéo, peut-être quelqu'un aussi sera touché. Même si tu es au village, si tu as la connexion, partage la formation et tu vas voir que c'est comme ça que le Togo, notre pays, va changer et comme ça. Et la formation est disponible à des coûts que vous ne voulez nulle part. Devenir technicien en réseau informatique, il faut passer par l'État. Il faut faire le BT, il faut faire la BTS, il faut faire la licence pour devenir pro. Mais tu auras le diplôme et tu ne peux pas exercer. Moi qui vous parle, j'ai vécu ça. J'ai vu des gens qu'on a fait la même formation, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'exercer parce qu'ils n'ont pas la pratique en main. Nous avons vécu l'époque là. Nous avons vécu l'époque là. Et aujourd'hui, moi-même, je suis enseignant. J'ai formé des gens qui ne connaissent rien. Qui, je dis, ne connaissent rien. L'État nous a dit de donner le cours et n'a pas mis l'accompagnement dessus. Vous allez à l'examen de BTS, on ne va pas vous monter ça là. Vous allez à l'examen de BTS, on ne va pas vous présenter les équipements là de configurer. Mais c'est ça que vous allez voir sur le terrain. C'est à ça qui vous attend sur le terrain. Nous, on vous dit aujourd'hui, tu peux faire le BTS, BTS licence. Mais viens chez nous, on va te former, on va te donner la pratique. Et tu vas réjouir que, ah si je savais. On a fait le CCNA dans ce pays. Nous avons d'autres équipements qu'on va vous montrer bientôt. On ne va pas trop dire, on ne va pas tout parler, on ne va pas tout expliquer ici. Venez, prenez la formation et vous allez voir que c'est du super. C'est du jamais vu. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais arrêter la vidéo ici. Pour ceux qui veulent avoir encore plus d'informations, bingo, nous sommes disponibles pour vous. Nous sommes disponibles pour vous. Cette année, nous avons décidé, 2022, c'est pour donner nos connaissances.